chef Corbeau. L'une des femmes lui offrit sa fille et l'avertit que le grand chef voulait le tuer. Yako s'enfuit en pagayant, mais le grand chef Corbeau le pourchassa, invoquant une tempête si puissante qu'elle créa des vagues géantes. Avec une pierre magique qui apaisa les eaux violentes autour de lui. Le grand chef Corbeau lui lança alors son harpon, mais Yako transforma une grande vague en montagne à l'aide d'herbes magiques et le harpon se planta dans la crête de la montagne. Deuxième vague, encore plus haute, s'éleva au-dessus de Yako. Il utilisa alors toutes les herbes restantes pour changer cette montagne d'eau en montagne de pierre. Le canoë du grand chef se fracassa sur la deuxième montagne, le jetant sur les rochers, où il se transforma en corbeau et vola vers le sommet de la montagne. Épuisé, Yako s'endormit. À son réveil, il vit qu'il avait créé deux montagnes, la première, petite, à l'ouest. La seconde, beaucoup plus grande, est devenue ce que je suis, le grand Denali. Yako regarda vers le ciel et aperçut le grand corbeau, heureux d'être de retour avec son peuple. Il dansait dans les airs, semblant approuver les créations de Yako. Passez les trois épreuves que j'ai mises sur votre chemin, sur terre et dans les airs. Maintenant, vous pouvez continuer votre route et explorer mes vastes pentes, y chercher les secrets que j'ai cachés.